Paimi Padake Albert a visité quelques usines soudanaises. Les impressions du Premier ministre Paimi Padake Albert à l'issue de cette descente de terrain sont empreintes de satisfaction. Suivez. Cette visite s'inscrit dans le cadre de relations d'amitié et de bon voisinage entre le Tchad et le Soudan, relations impulsées par leurs excellences Omar Hassan El-Béchir et Idriss Déby Itno. Cette relation de coopération a permis, sur le plan politique et sécuritaire, de consolider la paix au Soudan et au Tchad. Nous sommes venus dans le cadre de l'entretien permanent de cette relation cordiale et faire en sorte que cette relation bénéficie aux activités économiques entre les deux peuples et notamment à travers leurs hommes d'affaires. À ce titre, nous avons échangé sur les possibilités de diversification des voies de sortie et d'entrée au Tchad via le port Soudan. Nous avons échangé avec les hommes d'affaires qui s'intéressent et qui ont des potentialités d'investir au Tchad. Nous leur avons garanti toutes les facilités d'investissement dans notre pays et l'invitation leur a été adressée pour cette réunion qui aura lieu en octobre, permettant de mettre en symbiose les hommes d'affaires tchadiens et les hommes d'affaires soudanais pour s'imbriquer et investir au Tchad. Au-delà de cette question économique et commerciale, il a été question de façon générale de renforcer la coopération entre les peuples soudanais et tchadiens pour le bien des deux pays. Nous repartons très confiants de la disponibilité du gouvernement et du peuple soudanais et en assurant mon frère et ami le vice-président que le gouvernement du Tchad fera tout ce qui est de son pouvoir pour renforcer encore davantage cette relation de qualité qui sert d'exemple en Afrique entre le Tchad et le Soudan. Mettant à profit son séjour, le Premier ministre Paimi Padake Albert a rencontré la colonie tchadienne de Khartoum. Au cours des échanges, le chef du gouvernement a demandé aux compatriotes vivant au Soudan d'être des exemples pour les autres communautés en respectant les lois de leur pays d'accueil. Ce sont plus de 700 jeunes qui ont bénéficié des conseils du chef du gouvernement, nous explique Maral Joséphine. Ces ressortissants et étudiants tchadiens au Soudan ont été fraternellement reçus par le Premier ministre Paimi Padake Albert. Selon le président des étudiants tchadiens, environ 700 jeunes sont inscrits dans toutes les filières confondues dans les universités que compte le Soudan. Quant à la colonie tchadienne, leur nombre est également considérable. Paimi Padake Albert s'est réjoui de cette reconnaissance. Toutefois, à ses frères et sœurs, Paimi Padake Albert leur demande d'être prudents face aux intoxications et aux aventuriers qui vont venir leur vendre des illusions. Pour lui, leur comportement doit être exemplaire et refléter aussi bien l'image de notre pays. Le chef du gouvernement invite la colonie tchadienne dans son ensemble à privilégier l'amour du prochain, l'entente, partant vivre en harmonie avec la population du pays d'accueil. Le chef du gouvernement a également exhorté les ressortissants tchadiens d'une manière générale à respecter les modes de vie des citoyens soudanais qui ont des considérations toutes particulières pour leurs frères et sœurs tchadiens.